Bonjour, bienvenue à notre émission Point de vue. Je suis toujours très impressionné par le nombre d'articles qui paraissent sur le phénomène religieux dans pratiquement toutes les revues à grand tirage. Impressionné parce que nous sommes en principe dans un environnement laïque et le religieux est relégué à la sphère privée. Et pourtant, depuis un certain temps, vous l'avez sans aucun doute constaté, la médiatisation du phénomène religieux dépasse les bornes dans une certaine mesure. J'ai sous la main quelques revues qui le démontrent, qui le prouvent. La revue Ça m'intéresse, pourquoi avons-nous besoin de croire Le gène de Dieu existe-t-il Pourquoi les stars affichent-ils leur spiritualité Les nouvelles promesses des religions La revue Non-Stop, dans sa deuxième édition, aborde la même question, à quoi les hommes veulent-ils croire Christianisme, islam, cabale, vaudou, zoroastrisme, etc. Et la dernière édition de Science et Vie semble dire qu'on ne pourra jamais se débarrasser de l'idée de Dieu. Il semble que notre cerveau est programmé pour croire, qu'il y aurait une molécule de la foi. C'est assez contradictoire parce que on avait annoncé pendant longtemps que la religion disparaîtrait dans, en Occident sous l'effet de la science, de l'humanisme, du matérialisme. Et maintenant, on nous apprend tout simplement que notre cerveau est programmé et que Dieu ne disparaîtra jamais. Et suivant tous les sondages, 86% de la population planétaire eh bien, croit en Dieu, croit en une réalité spirituelle. Nous voulons, dans cette émission, et dans les deux autres qui suivront, aborder cette question. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble le fait de croire dans sa dimension universelle. Et je voudrais vous démontrer que le croyant comme le non-croyant croit jusqu'à un certain point. Et ensuite, souligner la rupture, démontrer la rupture qu'il y a entre ce que j'appellerais la foi séculaire et la foi biblique. Permettez-moi de raconter une histoire. C'était un gros paquebot qui, lentement, coulait, disparaissait sous l'eau. Les sauveteurs avaient décidé d'arrêter les recherches, pensant qu'il n'y avait plus personne dans, sur le bateau. Mais un de ces sauveteurs avait l'intuition, quand même, qu'il y, qu y avait encore quelqu'un. Et il entendait, parce qu'il entendait un bruit qui venait du, de la cale du bateau. Alors, collant son oreille à une des parois encore accessibles du bateau, il entendit très distinctement eh bien, un message en alphabet morse. Et ce message disait tout simplement ceci, y a-t-il encore espoir L'espoir fait vivre, dit-on. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais sur quoi s'articule l'espoir Quel est son, le pivot de son expression tout simplement sur le fait de croire. C'est difficile d'espérer sans croire. Quand on espère, on croit tout naturellement. Ces deux sentiments, croire et espérer, marchent de pair. Ce sont les mêmes couleurs, les couleurs du même fleur, les profils d'un même visage. Eh bien, essayons maintenant de voir ensemble, comme nous l'avons dit dans notre introduction, et bien, cette, cette dimension de la foi, de l'espérance, qui, je pense, est une dimension universelle. Mais avant tout, euh, répondons à cette première question, question habituelle, question quotidienne. On entend souvent dire il faut voir pourquoi. Qu'en pensez-vous Je dirais en tout cas, en premier lieu, que si nous voyons, nous n'avons pas besoin de croire. Ce que je vois s'impose à mes sens, s'impose à moi, c'est une évidence, donc je n'ai pas besoin de le croire. Lorsque je me lève le matin et que je vois mes enfants autour de moi, je vois donc tout le mobilier de ma maison, eh bien, ce sont des choses qui sont là d'une manière évidente, donc je n'ai pas besoin de croire. Le croire, eh bien, dépasse cette dimension euh, visuelle des choses. Bien sûr, lorsque je vois, ce que je vois vient solidifier, consolider ce que je crois, mais le croire déborde le cadre du simple fait et devoir. Je dirais même qu'il y a bien des choses que nous ne voyons pas, mais, mais que nous croyons, des choses qui sont là autour de nous, que nous ressentons peut-être, mais, mais que nous ne voyons pas systématiquement, mais, mais nous y croyons mon boulanger ne m'a jamais empoisonné je le vois chaque matin mais je le vois jamais préparer son pain mais je crois quand même eh bien qu'il me fournit un pain de qualité qu'il travaille avec beaucoup de professionnalisme il y a un élément de confiance qui s'établit entre moi et lui donc je vois mais au delà de, du fait de voir il y a une dimension relationnelle confiance qui s'exprime en quoi consiste concrètement la foi je crois que nous pouvons délimiter cinq pas à la foi. Je les appellerai les cinq pas de la foi. Le premier pas de la foi eh bien, serait justement la base du, de, la, de la croyance universelle. Tout homme est en situation de foi. Oui, tout homme est en situation de foi. Qu'il soit croyant ou pas, il est en situation de foi. Le cultivateur, lorsqu'il sème sa semence, croit qu'il va récolter. Malgré les tempéries, malgré les possibilités de sécheresse que sais-je, il travaille avec espoir de récolter. Il exprime donc une certaine foi dans son travail. De même pour l'éducateur, l'enseignant, le parent qui pensent toujours que l'enseignement l'éducation qu'il donne portera ses fruits que cet individu ses enfants ses étudiants grandiront et seront de la société eh bien les fruits de l'éducation qu'il qu leur donne le politicien joue aussi sur cette fibre de la croyance il promet beaucoup de choses des changements sociaux qui apporteront le bonheur et chaque cinq ans d'une manière générale les électeurs croient qu'avec tel ou tel parti avec tel ou tel personnage eh bien, les choses vont changer. Je dirais de même pour la science. Les scientifiques pensent, croient que le monde est intelligible. Et c'est sur cette base qu'ils peuvent faire leurs recherches. Donc, le fait de croire est, est lié fondamentalement au fait de vivre. On ne peut pas vivre sans croire. Tout homme est automatiquement en situation de foi. C'est le premier pas. Le deuxième pas, en toute action, petite ou grande, l'homme cherche le bonheur. Qu'attendons-nous des lendemains plus heureux. Qu'attendons-nous Des jours meilleurs. Nous espérons des situations plus agréables. Et nous appelons ça tout simplement la recherche du bonheur, la possibilité de vivre mieux. Donc en toute action, il y a une recherche du bonheur. Mais ce serait le deuxième pas. Et le troisième pas serait tout simplement qu'il faut une certaine, une certaine valeur accordée à ce bonheur, une, une attitude de, de discrimination, car le dealer, le, le criminel, eh bien, est tout à fait heureux lorsqu'il est en face de cette somme d'argent qu'il a, qu a obtenue après avoir eh bien, attaqué une banque. Son bonheur est un bonheur criminel. Un bonheur égoïste, un bonheur où il a dû sans aucun doute tuer des gens, que sais-je. Et donc il faut à tout prix qu'au niveau de ce bonheur, il y ait une sélection, il y ait un choix. Voilà donc ce que j'appellerai les trois premiers pas de la foi que, nous, que tout homme partage, qui sont, qui sont, qui sont présentes dans, dans les attitudes de chaque individu. Quel est le point de rupture entre la foi séculaire et la foi biblique J'appellerais cela le quatrième pas de la foi, qui serait le passage des valeurs impersonnelles à quelqu'un. Très simplement, l'athée croit à la justice, l'athée croit à la vérité, l'athée croit à ses valeurs, mais ces valeurs sont pour lui des valeurs abstraites. Et le croyant va trouver ses valeurs dans un être. Essayez de vous imaginer une fois de plus le symbole de la justice. Il y a une femme, les yeux bandés, qui exprime l'impartialité dans, dans, dans les affaires de justice et ensuite de balance. Il y a un rapport entre ces deux balances et cette femme. Pour le croyant, la justice, la vérité, ces valeurs ne se limitent pas seulement à des dimensions abstraites ces valeurs se vérifient dans quelqu'un ils ont une base relationnelle. Nous avons tous le sentiment que la justice est une qualité extraordinaire, mais nous sommes tous conscients eh bien, que dans ce monde il n'y a pas de justice parfaite il y a des erreurs judiciaires extraordinaires et nous avons sans aucun doute des prisonniers qui sont innocents et qui sont là enfermés depuis des années et des coupables qui circulent et nous avons tous le sentiment qu'il doit y avoir quelque part une justice parfaite de tout temps les philosophes de l'antiquité eh ont parlé d'un monde idéal et d'un monde euh, du quotidien et le chrétien voit dans une personne dieu n'est-ce pas eh bien L'expression de la justice parfaite, l'expression de la vérité parfaite, l'expression de l'amour parfait. Je pourrais ici vous lire quelques versets. Je pense à un verset que nous trouvons dans Ésaïe dans au chapitre 51. Et au verset 8, il est dit Ma justice durera éternellement. Donc la justice parfaite, idéale, se trouve en Dieu. Et le croyant fait ce saut des valeurs impersonnelles à quelqu'un. Dans la première épître de Jean, il est constamment fait allusion à Dieu qui est un Dieu d'amour. Je lis le verset 7 de, du chapitre 4, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Donc Dieu est amour. Et le cinquième pas serait une des caractéristiques essentielles du christianisme, car même Dieu est abstrait. Personne ne l'a vu. Et les hommes ont toujours soupiré après une vision de Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta face. Et Philippe dira à Jésus, montre-nous le Père. Et alors, ce désir, n'est-ce pas, de voir Dieu, est un désir profond de l'être humain. Et Jésus répond, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc du passage... Des valeurs impersonnelles à quelqu'un, nous arrivons finalement au cinquième pas de la foi, de la foi chrétienne cette fois-ci, la rencontre avec Jésus-Christ. La foi est essentiellement rencontre. Je lis un texte dans Jean 1,40. Nous avons dans ce passage la, 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 les, les premiers disciples qui vont, l'histoire des premiers disciples qui vont suivre Jésus. Au verset 40, il est dit André, frère de Simon Pierre, était l'un d'eux. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit. Un peu plus loin, et au verset 42, il est dit, il le conduisit vers Jésus. Au verset 45, Pierre, Philippe rencontra plusieurs fois dans ce passage. Eh bien, nous retrouvons le mot rencontre. Donc, en Jésus Christ, les valeurs de la foi se trouvent exprimées. Il est l'incarnation même de ces valeurs. Et c'est pour cette raison que, un jour, alors qu'il se trouvait à Césarée de Philippe et qu'il Questionner ses disciples sur certaines chose. il leur posa la question. Mais qui dit-on que je suis Quelle est l'opinion, eh bien, de, des gens à mon sujet Et finalement, il s'adressa à eux directement pour leur poser la question. Et vous, qui dites-vous que je suis Le Christ historique est un fait de l'histoire. Personne ne peut mettre cela en doute. Mais pour passer de Jésus de l'histoire. Au Jésus de la foi, eh bien là, il y a une démarche, une démarche que Pierre fait dans ce texte lorsqu'il dit :« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de lui dire :« Eh bien, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. C'est un don, c'est une grâce, une grâce que Dieu nous fait. » Eh bien, nous étions heureux de vous savoir à l'écoute et nous vous disons à bientôt pour deux autres réflexions, toujours sur la foi.